15 km/h pour tester les arbrisseaux et les ronces sur les bois avant de pousser la draisine à 60 km/h. Il y a certains arbrisseaux qu'il va falloir couper. Nous sommes entre Petit Port et la halte vers Abbeville. Ce qu'on voit sur la droite, c'est le canal parallèle au canal de la Somme. En fait, il paraît que ce sont les égouts d'Abbeville. Sur le côté droit, ce sont les marécages le long de la Somme. La Somme étant à gauche, à une quinzaine de mètres de la voie de chemin de fer. Donc ceci, c'est environ la vitesse à laquelle on pourrait circuler sur un vélo non électrifié, en pédalant. Mais personnellement, je ne vois pas l'intérêt. Ce serait réservé aux touristes et ce ne serait donc utilisé qu'en juillet et août. Ce qu'il faut développer, et c'est une vision personnelle, c'est une solution de mobilité entre Abbeville et eux à une vitesse qui intéresse tout le monde pour son déplacement rapide, c'est-à-dire 60 km/h. Ça va évidemment engendrer des procédures au niveau des passages à niveau. Et surtout des procédures au niveau de l'utilisation, puisqu'il n'y a qu'une voie. Que va-t-il se passer quand un module quand les modules se rencontrent pour aller dans des directions opposées? Quand les modules se suivent, il n'y a pas de problème. C'est ce qu'on appelle le package déplacement par batch. Mais quand on se rencontrera, il faudra soit changer les modules pour inverser la direction. Ici, on arrive à des contacteurs, ce qui précède généralement les passages à niveau. C'est le signal de sécurité, je suppose. C'est très gênant pour mon système parce que mes roues de guidage se bloquent dedans. Et donc, bon, pour le moment, il faut... Voilà, la roue est bloquée dedans. Celui-là est un peu plus flexible, mais ceux-ci, il faut les descendre pour pouvoir continuer. Donc ce que je vais faire, c'est soulever mon module pour passer ces éléments. Il y en a à proximité à 400 mètres des passages à niveau, chaque fois. Voilà, j'ai arrêté pour cette vidéo-ci. C'était une petite balade touristique. Et voilà, on voit la Somme. Oui, je ne sais pas si vous la voyez, je vais lever mon téléphone, mon appareil photo. Si vous l'avez vu, c'est bien, sinon elle est à une dizaine de mètres derrière les petits arbrisseaux ici.